Salut, c'est Marie d'Impulsion Photo. Le gros projet qu'on a ce week-end, c'est de faire un fond photo qui est peint à la main. Alors pourquoi est-ce que je veux faire mon fond photo moi-même et passer du temps à ça et du matériel alors qu'il existe tellement de fonds photos sur le marché, en papier ou en tissu? La première raison pour faire un fond photo pas à la main, la raison principale, c'est que ces fonds photos contribuent énormément à la force du portrait. Donc c'est des fonds qui font partie de la création de la photo et qui donnent un caractère complètement unique au portrait global. C'est une sensation, une impression visuelle qui est quand même très difficile à reproduire avec des fonds qui seraient simplement imprimés ou en papier. L'inspiration, l'idée pour faire ces fonds photos, vient des magazines Vogue et Vanity Fair, dont plusieurs photographes, donc des photographes de portraits, utilisent des fonds peints à la main, comme on le voit ici. C'est le cas par exemple des photographes Norman Jean Roy, d'Annie Leibovitz, de Patrick de Marchelier, de Paolo Roversi. Et on voit dans ces photos que le fond fait partie intégrante de la photographie et du portrait et il donne vraiment une tonalité, une force il habite en fait la photographie. Les fonds photos qui sont utilisés par ces photographes qu'on voit ici, c'est des fonds qui sont en général loués et qui sont produits principalement par deux compagnies américaines, une qui s'appelle Oliphant Studio, qui est la plus connue, et l'autre qui s'appelle Spidly, mais qui sont en réalité des véritables œuvres d'art et qui sont louées à des prix exorbitants. Donc ici, on a envie d'essayer d'atteindre un résultat similaire. Évidemment, il y a toute une technique derrière qui est très difficile à reproduire, mais on voulait atteindre un résultat similaire pour faire une commande photo que j'ai dans quelques jours. Dans cette commande photo, je dois photographier un groupe de 4 musiciens, ce qui ajoute un autre challenge parce que j'ai besoin d'une grande surface pour photographier. Je suis debout sur le tissu, vous voyez, c'est très grand. Comme ils sont 4, j'ai pris 2 bandes de 1m50. Donc d'habitude, le tissu, quand on l'achète au mètre, c'est soit 1m40, soit 1m50, qu'on a cousu ensemble. Et on a une longueur à peu près de 3m50, 3m80, pour que ça puisse être debout et ça leur passe en dessous des pieds. Et on a fait aussi un ourlet, comme vous voyez ici, qui fait 10 cm. Pour pouvoir passer une longue barre dedans, simplement une barre chez Ikea, ça coûte 2 euros pour avoir une barre qui va s'étendre jusqu'à 4 mètres. Et donc on va le fixer au mur simplement comme un rideau, et ça devrait tomber droit. Le tissu, c'est simplement un tissu en coton. Alors j'ai un petit peu peur parce qu'il y a apparemment un attrait, donc le tissu a été terminé pour le protéger, comme un tissu d'ameublement. Donc on va voir si la peinture tient bien dessus. On a protégé le sol avec du plastique. On va fixer le tissu au sol avec du tape, donc du gros papier collant de travaux. Et je vous rejoins après pour vous expliquer plus de la peinture. La première couche qu'on met, c'est une couche de gesso. Donc le gesso, c'est un enduit qui est utilisé en peinture sur toile, donc par les gens qui font vraiment de la peinture de tableau, qui est donc une couche qui prépare le coton. Normalement, on n'est pas obligé de l'utiliser avec les peintures acryliques, c'est plutôt pour protéger la toile quand on utilise les peintures à l'huile, mais ça permet aussi d'avoir une bonne adhésion et le gesso d'entrée de gamme, il est moins cher que la peinture. Donc j'ai payé 30 euros pour 4 litres de gesso. Donc vu la surface, c'est plus intéressant d'avoir une première couche de gesso pour que le tissu n'absorbe pas trop de peinture après. Donc je le mets au rouleau. Alors malgré qu'on ait attaché le tissu au sol, il bouge un peu quand je peins. Donc on a un petit peu un problème de pli, mais normalement ça va se rigidifier. Voilà, on l'a un tout petit peu dilué dans l'eau pour qu'il ne soit pas trop lourd. La peinture.
teinture avec la couche primaire, donc avec le gesso. On a laissé sécher à peu près 4 heures, donc maintenant c'est le soir, il y a un peu moins de lumière. Donc c'est à peu près sec, on peut passer la main, enfin, ça colle un peu parfois, mais c'est à peu près sec, on voit qu'il n'y a plus du tout de problème de pli. On était assez contents du résultat, là on a une bonne surface plane qui s'est un tout petit peu rigidifiée. Malgré ce que je viens de dire, quelques minutes plus tard, on s'est rendu compte que il y avait des lignes sur la toile qu'on voit légèrement sur l'image qui étaient créées par le carrelage parce que j'avais peint la toile directement à même le sol, donc juste avec un plastique très très fin pour protéger de taches, et j'avais laissé sécher la toile également sur le carrelage. Donc à ce moment-là, c'était un peu la catastrophe, le gros stress, parce que ces lignes pouvaient se propager jusqu'au résultat final. Donc dans l'étape suivante, on a utilisé une planche en bois qui est plus petite que le tissu et qu'on déplaçait progressivement pour peindre. Et on s'est assuré que le tissu ne collait plus au sol. Maintenant, on va passer avec une peinture à l'acrylique. Donc c'est aussi une peinture à base d'eau. Je vais mettre une couleur qui s'appelle le gris de peine. Donc c'est un gris clouté que j'ai trouvé, j'avais vu sur internet que c'est la couleur qui m'intéresse. On va aussi la mettre au rouleau de façon uniforme et je vais aussi la mélanger légèrement avec de l'eau pour que ça soit plus fluide, plus facile à mettre. Et après ça, on fera la dernière couche qui est plus dans les blancs et peut-être avec un peu d'ocre. Voilà. La dernière étape pour terminer la peinture de ce fond photo, c'est d'ajouter une autre couleur que moi j'ai choisi dans les blancs et ocre, donc j'ai fait un tout petit mélange de blanc et ocre, et on le dilue légèrement et on l'étale à l'éponge. Donc en fait, ça c'est la partie la plus créative, mais aussi une partie très importante parce que ça va ajouter une certaine texture au fond photo qui va vraiment faire toute la différence sur la photographie. C'est ce qui va donner du relief, de la force et qui va aussi faire que chaque fond photo est complètement unique. Donc c'est une étape qui est critique, qui est en même temps difficile parce qu'il faut un peu décider sur le coup sans vraiment savoir ce que ça va donner. Moi, la stratégie que j'ai adoptée, c'est de commencer par le centre, de faire une sorte de nuage et d'attendre un peu que ça sèche et puis de continuer à travailler vers les bords. L'acrylique est relativement simple à travailler. Quand on se trompe, on ajoute un peu d'eau et on redilue. Voilà, vous voyez ici ce que ça donne une fois qu'il est suspendu dans le studio. Alors on ne voit pas les effets de clarté que j'ai ajouté sur le bleu parce qu'il est un peu en contre-jour. On voit par contre la suspension, donc il faut tenir compte du fait que la toile peinte avec plusieurs couches de peinture, ben, au final c'est lourd, donc il faut prévoir une suspension adaptée pour ne pas avoir de problème. Au niveau résultat, bon, au niveau de la taille, on voit que ça marche. J'ai de la place pour les quatre musiciens et on peut les agencer un peu différemment. Au niveau du rendu photo, je suis assez contente. Bien sûr, le résultat de la peinture va être aussi plus ou moins mis en valeur avec la qualité de la photo qu'on va faire. Et bien sûr, parfois je réussis mes photos et parfois moins. J'ai vu aussi que le rendu du fond photo va vraiment dépendre du type d'éclairage qu'on va utiliser, ce qui est logique, et on peut avoir des rendus plus ou moins métalliques, plus ou moins bleus ou gris, plus ou moins clairs ou foncés, en fonction des balances des blancs, en fonction de l'orientation des flashs, etc. On doit aussi régler la question du pli, puisque
J'ai pris deux bandes de tissu qui ont été cousues ensemble. On aura un pli sur la photo visible. Donc deux stratégies, soit on considère que ça fait partie de la photo, soit on fait simplement une correction dans Lightroom ou dans Photoshop en poste. Au niveau du budget, on s'en est sorti avec à peu près 30 euros pour le tissu, à peu près 15 euros pour le gesso, mais je l'ai acheté en gros, donc j'ai utilisé que la moitié, j'ai utilisé 2 litres sur 4. À peu près 15 euros de peinture acrylique, ce qui correspond à 1 litre. À peu près 20-30 euros pour les suspensions au mur, parce qu'il y a la barre, mais il y a aussi les suspensions elles-mêmes. Il faut aussi compter les protections pour le sol, les rouleaux de peinture, etc. Donc on arrive à peu près à un projet autour de 100 euros. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur comment faire son propre fond photo peint à la main. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. C'était ma première vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube ou à mon blog, donc c'est impulsionphoto.com. Il y a une newsletter. Et je pense poster d'autres vidéos sur la photographie au flash, sur la photo de portrait et aussi sur la vidéo, puisque je fais aussi de la vidéo avec mon appareil réflexe. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne chance dans vos photos et vos portraits.